Si tu as un gros bobo, viens te mettre bien au chaud. Pour te guérir, assieds-toi, l'hôpital il top est là. Toute l'équipe est là pour toi, il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux. Il top, c'est un vrai zoo. On guérit les cœurs brisés, on répare les pattes cassées, les écorchures sur le nez. Ah, j'ai oublié l'estomac, un petit bout de sparadrap. Une chaussette pour moi et une pour vous, Dr Matthews. Moi, je ne mets jamais de chaussettes comme ça, Cathy. Vous n'allez pas les mettre, Dr Matthews. C'est pour ce soir, pour le Père Noël. Oh. Il mettra nos cadeaux dedans. Les vôtres dans celle-ci, les miens dans celle-là. Bon. J'espère que c'est assez grand pour l'os que j'ai commandé. Ça va être un très beau Noël. Oh, regardez. On dirait qu'il va neiger. Oh, ce serait génial d'avoir de la neige à Noël. Je sais pas pourquoi tout le monde fait pas comme nous. Hein? Ah, attends une minute. Regarde là en bas. On dirait un ours. Un ours blanc. Un ours blanc? Les ours ne sont pas blancs, les ours sont bruns. Pas ceux du pôle Nord, non. Du pôle Nord? Mais qu'est-ce qu'il fait là alors? Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au pôle Nord. La banquise s'est cassée. Je suis partie à la dérive et mes bottes sont tombées à l'eau. Et maintenant, je ne peux plus bouger mes orteils. Tu ne peux plus bouger les orteils? Oh, oh, c'est ça le problème. Ouh là là, on ferait bien d'aller à l'hôpital aussi vite que possible. C'est quoi ça? Vous avez déjà vos cadeaux de Noël? Oui, c'est notre cadeau. À nous, c'est un nouvel ordinateur pour aller sur Internet. Sur Internet, on trouve tout ce qu'un scientifique doit savoir. On en a besoin tout de suite pour l'urgence qui arrive. Mais quelle urgence? Eh bien, on doit trouver une recette de gâteau de Noël. Ah, vous êtes là, Dr Matthews. On a une urgence, un jeune ours en hypothermie à réchauffer. Il faut y aller. Maillet. Maillet? Burin. Burin? On anesthésie, Suzanne. Inutile, docteur Atticus. Pierrot a ses orteils tellement congelés qu'il ne sent rien. Ah, là. Maintenant, voyons ses orteils. Oui, c'est bien ce que je pensais. Gelure grave. Cathy, mettez-moi ses pieds dans de l'eau tiède, s'il vous plaît. Docteur Atticus, trouvez-nous des chaussettes bien chaudes. Je vais voir ce que je peux faire. Docteur Matthews, apportez-lui une boisson chaude. Oui, Suzanne. Est-ce que je pourrais passer Noël à la maison? Je crains que non, Pierrot. Tu as les pieds gravement gelés. Mais je veux aller avec ma maman. Et comment je vais avoir mes cadeaux? Ah. Ah, ça va bien faire l'affaire. C'est parfait. La recette parfaite pour le cacao. On trouve tout sur Internet. C'est la boisson pour Pierrot? Oui, regardez, ça s'appelle du cacao. Nous avons trouvé la recette sur l'ordinateur. Oui, on trouve tout sur l'ordinateur. J'espère que vous allez trouver comment remonter le moral de ce petit ours. Il va passer Noël à l'hôpital sans sa famille et sans ses cadeaux. Oh, oh. Bien joué, Dr Atticus. Ces orteils vont rester bien au chaud. Mais où donc les avez-vous trouvés? Oh, elles étaient sur l'étendage. Elles font très bien l'affaire. Tu te sens mieux, Pierrot? Oui, mais je veux rentrer à ma maison. Oh. On devrait tous passer Noël en famille.
Ou avec ceux qu'on aime. C'est vrai. Oui, je passe toujours Noël avec mon frère. Et moi aussi, je passe toujours Noël avec mon frère. Mais nom d'un chien, si Pierrot doit rester à l'hôpital, pourquoi n'invitons-nous pas sa mère ici? Je peux aller chercher sa mère en hélicoptère? Moi aussi, je peux y aller en hélicoptère. Nous devons simplement savoir où elle habite. Mais où sont passées mes chaussettes? Sur un morceau de banquise. Sur un bloc de glace qui dérive en mer. Impossible. On ne pourra pas atterrir en hélicoptère. Je vais demander à Claire et Arthur. Sur leur ordinateur, on trouve tout. Verser les raisins secs. C'est fait. Claire, Arthur, arrêtez ça. Mais nous faisons le gâteau de Noël. Il y a mieux à faire. Nous devons emmener la mère de Pierrot ici pour Noël. Et les jumeaux disent qu'ils ne peuvent pas se poser sur la glace. Ne vous inquiétez pas, nous trouverons la réponse. Sur l'ordinateur. Je suis venue changer les compresses sur tes orteils, Pierrot. Ils sont encore un petit peu gelés. Mes chaussettes. Que voulez-vous dire, vos chaussettes? Ce sont les chaussettes que j'avais prévues pour les cadeaux de Noël. Nous devons penser aux patients d'abord, Cathy. Mais... Oui, vous avez raison, Suzanne. Pensons aux malades d'abord. Même si ça veut dire qu'on n'aura pas de cadeaux de Noël cette année. En employant des mesures de basse fréquence d'induction couplées à un altimètre à visée laser, nous pourrions dire où atterrir en toute sécurité. Allons trouver les jumeaux. Allez, hop, au lit. Tu dois te coucher tôt, parce que demain, c'est Noël. Ce ne sera pas Noël si je ne suis pas à ma maison. Papa, Pierrot. Ici, à l'hôpital, tu es comme chez toi. Mais ce n'est pas ma maison. Ma maison avec ma maman, mes cadeaux et la neige. Ma maison, elle est très, très loin. On est tout prêt maintenant. Regarde, c'est là. Eh oui, mais est-ce qu'on peut atterrir? On ne va pas se croire à Noël sans cadeau dans nos chaussettes. Bah, au moins nous aurons une bonne part de gâteau. Mauvaise nouvelle. Deux mauvaises nouvelles. Les jumeaux n'ont pas pu atterrir. Notre invention n'a pas fonctionné. Oh, Pierrot sera tellement déçu. Et quelle est l'autre mauvaise nouvelle? L'autre mauvaise nouvelle, c'est que nous avons perdu tellement de temps sur cet ordinateur que nous n'avons plus le temps de faire une bûche de Noël cette année. Quoi? Eh bien, on a pensé aux malades d'abord. Oui, vous avez raison, Claire. Il faut penser aux malades d'abord. On se réveille. Joyeux Noël. Oh, Cathy, c'est mon plus beau Noël. Ma maman est venue exprès du pôle Nord et m'a apporté tous mes cadeaux. Mais j'ai cru que vous ne pouviez pas atterrir. Claire et Arthur ont dit que leur invention n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas marché. Non. On l'a jeté à la flotte. Et ils sont montés avec le treuil. Maintenant, à l'hôpital, je me sens vraiment chez moi. J'ai ma maman, mes cadeaux, et il y a même de la neige. On a de la neige à Noël, c'est déjà ça. On a reçu un très gros colis. C'est adressé à tout le personnel. Alors, ouvrons-le. Après tout, c'est Noël. Oh, alors le Père Noël est passé cette nuit ?